Bienvenue sur la Fabrice selon Dada. Saison 3. Saison 3. One Love. Je suis en compagnie de mon fiston Noah, qui est là. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la dernière lettre de la saison 3, qui est la lettre Z. Et aujourd'hui, le mot choisi est zombie. Z comme zombie. Zombie. Donc, un zombie, c'est quoi un zombie? Bah, c'est un truc qui n'existe pas, une bête, qui fait peur aux gens, mais ça n'existe pas. Ça ne mord pas. Bon, donc, ça n'existe pas. Bon, donc, on voit dans les films des zombies qui sont des sortes de morts-vivants qui vont manger des gens, des trucs bizarres comme ça. Et ce que je remarque, c'est que avant, quand j'étais petit ou ado, donc ils se regardent dans l'écran de la caméra. Donc, quand j'étais petit ou ado, un zombie, c'était un mort qui était, je ne sais comment, par un procédé satanique, revenait à la vie et attaquait les gens. Maintenant, dans la plupart des films, ce sont des gens qui ont attrapé une maladie, ils sont infectés par une sorte de virus et ils deviennent des zombies. Ce n'est pas sans rappeler certaines drogues, comme la drogue crocodile. Tapez sur internet la drogue crocodile, vous allez voir, c'est abusé. Des gens qui partent en lambeaux. Puis il y a une drogue aussi où les gens, ils sont comme dans les films. Là. Tu vois, tu peux les taper, machin, ils se collent contre des bus, contre des matchs, ils ont rien. Tu vois, alors, à quoi nous prépare-t-il donc? Je ne saurais le dire. Et voilà, c'était très court parce que c'est très difficile de trouver un mot commençant par Z. C'est pour cela aussi que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait l'alphabet selon Dada. Mais c'est fait. Aujourd'hui, alors, je vous dis, one love, à bientôt. Oui. Dis-moi le truc. Ah oui, mais c'est un dessin animé, ça. Ah ben, je vous dis à une prochaine, pour un prochain Fabius selon Dada. Ce sera la saison 4. Et celui-là, il ne sera pas comme les autres, parce que ce sera... Ah, ce ne sera pas l'ego. Ce sera sur des personnes, des personnages, ou plutôt des gens, parce que personne, c'est personne. Ce sera des gens. Voilà, je parlerai de gens qui ont apporté une petite pierre à l'édifice de l'humanité contre Babylone. Des gens qui ont été chercheurs de vérité, éveilleurs de conscience, révolutionnaires, inventeurs, découvreurs et avant tout humains. Je vais pas dire humaniste, je dis humain. One love.